Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour regarder la tendance de demain. Alors, pour le jeudi 29, wow, petit problème technique, toutes les cartes sont tombées. Alors, pour demain, les amis, alors, blocage, situation compliquée pour certaines personnes, on va nous parler de choses qui auraient tendance aussi un petit peu à vous stresser. On vous parle de dialogue ici qui pourrait éventuellement vous apporter des solutions. Peut-être aussi une meilleure perspective ici de ce qui se passe un petit peu. Hein. On va faire une petite coupe. Alors, on nous dit bel et bien ici que vous êtes guidé en quelque sorte à sortir un petit peu de cette sphère un peu infernale. Donc, je continue. On vous dit bel et bien aussi que vous êtes protégé. Il n'y a pas vraiment de souci à avoir. Il y a une protection sur vous. On vous dit bien qu'il y a des choses cachées. On n'est pas forcément très, très honnête. Il y a de la malhonnêteté là derrière. On le ressent. Ouf. On ressent une fragilité ici pour demain. Il y a une fragilité qui se fait ressentir. On ressent aussi un petit peu de l'agressivité, notamment concernant peut-être des personnes tierces qui ne diraient peut-être pas forcément la vérité. Je vois qu'on va essayer de chercher un accord avec vous. On va essayer d'apporter un petit peu plus de lumière et on va laisser place un petit peu à de la nouveauté, de la sérénité aussi pour le bien-être de quelque chose de nouveau, pour le bien-être aussi d'un enfant ou tout simplement pour pouvoir mener à bien un nouveau projet. Il y aura de toute façon des opportunités. J'espère que vous m'avez bien compris. Alors, et on enchaîne tout de suite avec Aliaske pour en savoir un petit peu plus pour ceux à qui ça n'aurait pas parlé. Allez, les énergies de jeudi pour le jeudi 1 septembre, s'il vous plaît. Il me semble qu'on avait déjà eu ces cartes-là pour hier. Alors, je continue. Tant que ça vient, c'est bon. Alors, on nous parle notamment ici d'une réconciliation en lien avec de l'argent. Je sais que je l'ai déjà eu dit, notamment pour la journée d'hier, il me semble, si je ne perds pas la tête. Il peut y avoir peut-être des petites sommes d'argent que vous allez percevoir, peut-être concernant un remboursement ou autre. Pour les autres, ça va nous parler d'un intérêt assez fort, d'avoir envie de solidifier peut-être éventuellement aussi nos relations. On nous parle aussi de communication. Ça peut être une communication qui va en quelque sorte dans votre sens à vous. C'est une communication rapide. Donc, ça peut être via un mail, via un téléphone. Ce n'est pas forcément en présentiel ici. Hein. Il y a peut-être aussi la notion de devoir se déplacer. On continue. On peut avoir un petit peu plus d'éléments sur la tendance de demain. En tout cas, on ressent quelque chose qui vous pèse. Ça concerne peut-être le manque de quelque chose ici. Ouais. Il y a un manque d'abondance, c'est comme si vous étiez un petit peu dans le creux de la vague, là. Hein. C'est ce qu'on nous montre. Hein. Vous êtes un petit peu dans le creux de la vague. Est-ce qu'on peut nous donner encore quelques éléments? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter sur les cartes qu'on a eues là. Alors, on vous dit bel et bien aussi qu'on vous pousse. Hein. Il y a une énergie extérieure qui vous pousse ici à sortir un petit peu d'une zone d'inconfort. On vous parle aussi que vous serez, alors c'est pas forcément pour demain, mais ici ça va se prolonger dans ce sens-là, peut-être sur les jours à venir. Donc vous allez sortir peut-être d'une zone d'inconfort, quelque chose qui ne vous convenait pas. Vous allez être dirigé vers une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre aussi en lien avec un courrier que vous avez reçu. On vous parle d'une élévation, un poste supérieur. Donc quand je dis poste, attention, ça peut être aussi bien sur la base d'un travail ou tout simplement sur un litige, c'est dans le sens on évolue vous-même. Vous évoluez sur cette situation, vous vous élevez, vous prenez un petit peu plus de hauteur. On voit que vous restez un petit peu en retrait concernant certaines hostilités ici. J'ai envie de vous dire, c'est tout à votre honneur parce qu'on vous dit bien, il y a des choses qui ne sont pas dites. On vous demande de fermer les yeux, de prendre un petit peu sur vous, sur l'évolution. On nous parle bel et bien ici d'un changement peut-être en lien avec quelque chose de nouveau ou un changement en lien avec l'enfant. D'accord?
On nous parle ici d'accepter une situation. On vous donne un petit coup de pouce, hein. Ouais, il y aura les lumières, elles seront faites concernant peut-être ce projet, cette chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se développer, parce que vous êtes déjà dedans, hein. Ouais. Et on voit que ça crée quand même une certaine harmonie. Ouais, moi, je vois sur le long terme, hein, quand même. On peut nous parler aussi d'une durée de 3 mois pour que les choses arrivent à terme. Ensuite, on va nous parler d'un petit retour aux sources. Prendre du recul. Peut-être qu'il y aura certaines personnes qui auront tout simplement envie de repartir dans leurs racines. Ça peut aussi nous parler comme ça dans le futur, tout simplement parce que vous avez peut-être plus forcément envie de rester là où c'est que vous êtes, parce que vous avez peut-être déjà tout essayé. Vous avez besoin tout simplement de vous reconnecter à vos racines. Donc voilà, c'était un petit peu plus long que prévu, mais je pense que c'était bien d'approfondir. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance personnalisée, soins énergétiques comme je le propose. Vous pouvez me contacter directement à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Je mettrai aussi le lien justement de mon site internet pour ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles sur le site, qui ne me connaissent pas. Comme ça, vous aurez un petit peu une idée de ce que je propose comme prestation. Voilà. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée.